Salut, c'est l'homme pâle pour Brut. Les gens normaux se sentent bien dans la machine. Grand-mère n'y a jamais trouvé sa place. Elle marchait nue en criant des mots magiques. Ils disent qu'elle était folle, sans blague. C'est beau la folie, beau la folie. Janine, c'est ma grand-mère, du coup c'est la mère de ma mère. Et elle s'appelait Janine pendant la première partie de sa vie. Et puis ensuite, dans les années 70, elle a divorcé. Et elle a commencé à voyager, à rencontrer des gens. Et c'était un peu la libération de la femme aussi à cette époque. Et de tout le monde en vrai. Et du coup, elle a rencontré des gens, des communautés un peu spirituelles. Elle a changé de nom. Elle s'est appelée Amina à partir de là. Puis elle a mené une autre vie très différente. Elle a fait le tour du monde. Elle est partie dans des projets très humanitaires. Très humaniste en fait, plus qu'humanitaire, parce que c'était même, elle faisait ça toute seule, avec un rêve quoi, elle voulait sauver le monde par la nourriture, c'est ça qu'elle disait. Donc elle est partie en Inde, elle a remué les marchés, les trucs pour essayer de faire de récupérer tout ce qui pouvait être gaspillé, en faire des énormes repas, faire manger tout le monde, etc. Donc c'est quelque chose, c'est sûr que je suis assez fier d'être son petit-fils pour ce genre de choses-là quoi. Bon, la folie, c'est une phrase que je me suis mis à dire en concert pendant la tournée de Flip, quand je jouais Lucie. Je remettais le refrain parce que le refrain il passe vite et qu'il est qu'une fois dans le morceau, donc c'était assez logique de le remettre une deuxième fois. Et du coup, je voulais chauffer les gens et les rendre fous, donc je leur disais c'est beau quand vous vous lâchez, c'est beau quand vous êtes fous. Et en fait, après, je me mettais à dire c'est beau la folie et j'hurlais ça. Puis je sais pas pourquoi je disais aux gens rappelez-vous de cette phrase et tout, elle avait un impact inconsciemment, je le sentais bien quoi. Et après, quand j'ai commencé à écrire Janine, bah, je me suis dit c'était assez logique de reprendre cette phrase pour en faire un morceau. Après, quand j'ai reçu l'instru de Moav, le thème sur ma famille, sur ma grand-mère, etc., a commencé à arriver un petit peu sur l'album. Et je me suis. Ouais, j'ai voulu parler de certains aspects de la folie qui peuvent être beaux, surtout quand ça parle de liberté. Et puis, c'était un peu pour reprendre tout ce truc de. Assez cliché, mais de. Voilà, de dire que c'est qu'une question de point de vue, quoi, la folie. Et que. Pour certaines personnes, c'est nous qui sommes malades, quoi. C'est notre société qui est malade. Ce que je dis, hein, c'est la liberté, quoi. C'est ça que je trouve beau. Il y a plein de choses qui sont pas belles, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais il y a aussi ce truc de pas vouloir s'adapter au monde dans lequel on vit, quoi. Qui est quand même imposé et qui peut être sacrément bizarre si on regarde un certain œil, quoi. Je voulais pas faire deux couplets sur ma famille parce que je trouvais ça trop storytelling, et puis j'avais envie de rester mystérieux de toute façon, je pouvais pas me permettre de donner plus de détails. Et du coup, je me suis dit le thème du morceau, c'est beau la folie. C'est même si je parle de ma grand-mère dans le refrain, c'est ça le thème du morceau, c'est la folie en général. Et donc du coup, bah, je faisais le premier couplet sur ma famille et le deuxième couplet, je le faisais sur une histoire fictive avec une fille, quoi. Ou de me dire que j'ai toujours été un peu attiré par ça aussi, quoi. Toujours été attiré un peu par une fille qui pourrait me surprendre, qui pourrait tout d'un coup... la spontanéité, la folie de faire un peu tout d'une seconde à l'autre. Mais ça se ressent dans plein d'autres morceaux, hein. Quand je dis on partirait avec le premier avion dans un truc comme dans un film de merde, mais c'est que des références de tout d'un coup, c'est ça la liberté, quoi. C'est de faire ce que tu veux quand tu veux. Et des fois, les gens fous, ils se permettent de le faire. C'est sûr que si tout le monde faisait ça, on s'en sortirait pas. Mais on est obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose d'assez beau et poétique dans le fait d'être libéré de toutes les chaînes du système. Moi, c'est ce qui me fait rêver, mais c'est subjectif. Après, moi, c'est ce qui me fait rêver. Mais toutes les formes d'amour existent, quoi. Je me sens assez sain d'esprit, quand même. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça, je m'inquiète pas pour ça. J'avais peur quand j'étais petit de devenir fou, mais aujourd'hui, j'ai plus peur de ça, je crois.